un privilège énorme. C'est fantastique. Déjà d'avoir rencontré Monsieur Volpe, Vincent Volpe, qui est quand même un président fantastique. Je ne suis pas ça simplement parce qu'il en reçoit aujourd'hui, mais je suis un petit peu ce qui se passe avec le HAC parce que je suis un fan de foot aussi. Et on se rend compte vraiment qu'on est passé dans une nouvelle ère au niveau football par rapport au passé. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une personne qui s'investit énormément dans tous les sports à vrai. Et bien sûr, au niveau de ses racines américaines, il a un petit peu la fibre baseball en lui. J'ai commencé à jouer baseball en 63, j'avais 5 ans. Et puis j'ai arrêté un peu plus que 30 quand je jouais avec les clubs de notre société et tout ça. Donc évidemment, pour moi, baseball, c'est mon sport préféré de base. J'apprécie énormément les recherches parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont cherché, ils ont trouvé, je ne sais pas comment, mais depuis l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de ma carrière, le loisir pour moi, j'ai toujours porté le numéro 8. Donc effectivement, je suis très attaché à le fait que tu avais trouvé le numéro 8 pour moi. Bon, c'est une opportunité énorme pour nous de faire découvrir le club, et c'est pour ça qu'avec notre président, on a voulu lui remettre le maillot du club, pour le remercier déjà des efforts qu'il fait vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du club. Son soutien avec la municipalité, qui est quand même quelque chose d'énorme pour nous. Et surtout, le fait de nous accueillir aujourd'hui ici, ça nous donne une certaine visibilité. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, au niveau médiatique, on n'entend pas beaucoup parler du baseball. Et lorsqu'on dit aux gens qu'il y a un club de baseball sur le Havre, ils sont un petit peu surpris. Juste sur le sport en général, et un peu plus précisément sur le baseball, c'est un mot que je crois que c'est important d'entendre au niveau des élus, au niveau des parents, au niveau des citoyens, c'est que le sport nous apporte beaucoup plus que le sport si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec notre jeunesse. On voit les filles, par exemple, au niveau de football, qui vraiment, ça commence à prendre l'intérêt. Il y avait des Coupes du Monde, mais même le niveau de notre équipe première, c'est bien élevé. Et puis, on sait qu'est-ce que ça peut faire pour les jeunes qui ne deviennent jamais pros, c'est un détail. Mais on est là pour créer les bons citoyens de l'avenir. C'est très important pour nous d'avoir un appui comme le président Volpe et la structure du HAC et le club doyen. C'est pour nous un support de communication, d'aide et vraiment nous apporter toute sa connaissance aussi des sports US et entre autres le baseball. J'ai regardé quelques mecs là en train de tirer le baseball et je peux vous dire qu'il y a quand même un niveau qui n'est pas mauvais dans certains cas. Donc effectivement, ça se développe au fur et à mesure, Franck. Je te souhaite à toi, Nicolas, un très très bel avenir. Je vais faire ce que je peux. C'est un plus. Et comme je disais, c'est vraiment un partenariat très intéressant. Et si on peut profiter de ces conseils, pour nous, c'est essentiel. Et on a besoin aussi de se faire connaître, même si le Club des Salamandres fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Nous avons rencontré la direction des sports. On a évoqué plusieurs sites, mais pour le moment, ça se déclenche pas. Et pour nous, c'est un souci puisque les barrages vont bientôt arriver, l'entraînement a repris et pour le moment, on n'a pas encore de lieu attitré et on s'entraîne actuellement sur le terrain de football américain au stade Yuri Gagarin, mais ça va être temporaire puisque l'équipe de football américain va reprendre également l'entraînement. Il y a un problème pour l'instant, je n'hésite pas à le dire, qu'on cherche vraiment le terrain pour faire les matchs. Et donc on va essayer de prendre le sujet avec les mairies pour voir si on trouve pas une solution. Donc ça m'engage au moins d'essayer de vous aider. Si on arrive, on n'arrive pas. Ça fait plusieurs années que l'équipe se structure et le nombre de licenciés augmente. Et avec Franck, l'entraîneur, il y a un très bon travail de fond. Et je pense que oui, ça peut être l'année de l'accession. Ouais. On a surtout un exemple à suivre au niveau management et organisation d'un club. Au niveau vraiment de comment développer un sport, comment faire la promotion du sport, essayer d'avancer. Vu du jeu quand même, je ne vais pas vous le cacher, on est 45 licenciés au Havre, Rouen à 250 licenciés. Je pense quand même qu'une ville comme le Havre n'atteindra peut-être pas 250 licenciés, mais arriver à une centaine de licenciés en 2023 avec l'arrivée du nouveau terrain de baseball, c'est un challenge, c'est un objectif qu'on va mettre en place avec notre président pour avancer. Je tiens à remercier encore Vincent Volpe de nous avoir accueillis, de nous donner son soutien. Et je l'invite aussi à venir échanger quelques balles aux entraînements avec nous. Il sera le bienvenu, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de voir ça développer, j'ai hâte de voir les garçons et les filles de développer dans ce sport.